Christy Mirac, une enseignante appréciée, est retrouvée morte juste avant Noël après une attaque en plein jour. Voici leurs histoires. Christy était une enseignante en école primaire que tout le monde aimait et adorait. Mais un jour de décembre 92, elle a été assassinée dans sa maison du comté de Lancaster. Près de 30 ans plus tard, le mystère est enfin résolu. Pendant des décennies, le meurtre hantera la paisible communauté de Pennsylvanie, connue pour ses fermes amiches et ses valeurs saines, jusqu'à ce que la géologie génétique révèle un tueur improbable caché à la vue de tous. Née et élevée en Pennsylvanie, Christy Mirac était considérée comme l'une des meilleures. Elle était blonde et belle, mais elle était également connue pour être gentille, joyeuse et attentionnée. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire en 1995, elle a déménagé dans le comté de Lancaster pour fréquenter l'université et devenir enseignante. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, elle a pris un poste d'enseignant à l'école élémentaire. Pour ses élèves, Christy était l'enseignante parfaite, elle était pétillante et intelligente, avec une nature attentionnée qui a traversé tous ses élèves. Elle n'a pas enseigné parce que c'était son travail, Christy a enseigné parce que c'était sa passion, ce qui est clair pour quiconque l'a rencontrée. Même si elle était apparemment ouverte sur la plupart des choses, Christy était farouchement privée dans sa vie sociale. Ni sa famille ni ses amis ne savaient ce qu'il se passait dans sa vie de tous les jours en dehors de l'enseignement, ce qui jouera un rôle important dans l'enquête sur son meurtre. Christy Mirac a été sauvagement assassinée. Quelques jours avant Noël en 92, Christy était sur le point de quitter son appartement pour l'un de ses derniers cours avant les vacances d'hiver, armée de cadeaux de Noël qu'elle avait emballés pour ses élèves. Elle avait emballé des livres individuels pour chacun d'entre eux, mais la jeune femme de 25 ans n'arrivera jamais à l'école primaire du comté de Lancaster. Le lundi 21 décembre 92, alors que Christy avait pour habitude d'arriver en cours à 8h du matin, ce jour-là ne s'est pas présentée au travail. À 8h30, les élèves ont commencé à arriver et ont alerté le directeur de l'école, Harry Goodman. Il a tout de suite tiré la sonnette d'alarme car Christy était connue pour être une enseignante fiable et ponctuelle. Ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas se présenter ou de ne pas appeler pour prévenir en cas de problème. Il a dans un premier temps téléphoné à son appartement à plusieurs reprises, il a appelé sa famille, puis s'est rendu à son appartement pensant qu'il la trouverait probablement en cours de route, gêné par des problèmes de voiture et d'embouteillage. Juste après 9h du matin, il s'est arrêté dans son complexe d'appartement et a remarqué que sa voiture était toujours garée sur le parking. Mais vers 9h22, il s'est précipité chez les voisins et a appelé la police déclarant qu'il avait retrouvé le corps de Christy Mirac. Elle a été retrouvée morte par le directeur de son école quelques heures plus tard, étalée sur le sol du salon après à ce qui s'apparente à une lutte brutale. À l'intérieur de l'appartement, les enquêteurs ont découvert ce qui semblait être une scène de crime, avec des cadeaux de Noël jetés partout par terre. Christy a été étranglée et battue. La police a refusé de commenter l'étendue de ses blessures dans un premier temps, mais en raison du cercueil fermé lors des funérailles de Christy, on pensait que ses blessures étaient importantes. C'était une scène de cauchemar, a déclaré le procureur au moment du meurtre. Nous avons été doublement choqués, d'une part parce que la victime était une jeune enseignante qui a été brutalement assassinée, mais en plus de cela, nous avons découvert qu'elle avait été agressée sexuellement. En effet, il a été révélé plus tard que Christy avait été violée et étranglée avec son pull. Une planche à découper en bois de la cuisine a été retrouvée près de son corps, et la police pense qu'elle l'a utilisée pour se défendre dans un premier temps, mais que son agresseur l'a ensuite utilisée contre elle. La police a révélé également que Christy portait son manteau et ses gants au moment de l'attaque, mais ses sous-vêtements, son pantalon, ses chaussures avaient été enlevés et sa chemise relevée. Il a également été révélé qu'elle a subi des coups si brutaux que son visage avait été déformé. Christy avait subi un traumatisme au cou, en haut de sa poitrine, au dos et à la mâchoire. Les voisins se souviennent que lorsque le principal Goodman a couru pour obtenir de l'aide, il n'arrêtait pas de répéter « son visage, son visage ». L'ADN du tueur apparent avait été trouvé sur son corps et dans les environs. La colocataire de Christy, Marie Lescaut, a déclaré à la police qu'elle avait quitté leur appartement vers 7h du matin, notant que Christy semblait distraite, bien qu'elle ne sache pas pourquoi.
Avant sa mort, Christy était décrite comme une enseignante pleine d'entrain et dévouée, dont la vie était centrée sur ses élèves, sa famille et son groupe d'amis proches de l'université avec qui elle avait dansé moins de 48 heures avant sa mort. Une de ses amies a déclaré « Nous allions dans différents clubs et nous aimions faire la fête ». Après l'université, certaines des filles dont Christy s'était installée dans un complexe d'appartements juste à l'extérieur du centre-ville de Lancaster et elle a commencé son travail de rêve en tant qu'enseignante. Elle n'était pas seulement satisfaite d'être une bonne enseignante, elle voulait être une excellente enseignante, a déclaré le directeur, Harry Goodman. Elle était créative et elle a motivé les enfants, elle était captivée. Certaines personnes ne traîneraient pas au travail, mais Christy ne considérait pas cela comme du travail. La police a commencé à se pencher sur la vie personnelle de Christy et a découvert qu'avant sa mort, elle sortait avec un homme plus âgé d'environ 20 ans, son aîné, surnommé Dagger. Ses amis n'avaient pas été convaincus par cet homme, mais Christy semblait attachée. Un de ses amis déclara « Je pense qu'elle s'est sentie aimée, je ne sais même pas comment, si c'était financièrement ou quoi, mais je pense qu'elle se sentait aimée ». Bien que ses amis ne sachent pas grand-chose sur Dagger, ils savaient qu'il n'était pas pressé de se marier, ce qui selon eux dérangeait leur ami. Puis, juste 2 jours avant d'être tué, Christy a dit à ses amis que sa relation s'était terminée. Les soupçons ont grandi autour de son prétendant secret après un incident troublant à l'école de Christy. Juste un jour après son meurtre, l'un des surveillants de l'école a rapporté avoir arrêté un homme dans le couloir qui lui a dit qu'il était là pour voir l'enseignante après sa mort, affirmant qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était morte. La police a identifié plus tard le visiteur comme étant son prétendant Dagger. Toutefois, la piste fut mise sur le côté lorsqu'il a été interrogé par la police. En effet, il avait un alibi solide. Il avait été à des centaines de kilomètres en Virginie, où il avait déménagé récemment avec sa femme. L'homme a également soumis un échantillon d'ADN qui ne correspondait pas à l'ADN trouvé sur les lieux du crime dans le cadre de l'agression sexuelle. Les enquêteurs ont également exclu la possibilité d'un tueur à gages, notant que les tueurs à gages n'entrent généralement pas dans un combat au corps à corps avec leurs victimes et ne laissent pas de preuves, y compris d'ADN, derrière eux. La police a même examiné le directeur qui s'est rendu au domicile de Christy après que des questions se soient posées pour savoir s'il n'avait pas surréagi. Toutefois, il a été exclu après que son alibi soit vérifié et que son ADN confirme qu'il ne correspondait pas aux preuves retrouvées sur les lieux. « Nous avons examiné suspect après suspect », a déclaré l'officier de police. Les voisins de Christy ont rapporté avoir vu une voiture blanche devant son appartement juste avant le meurtre, mais les enquêteurs n'ont pas pu identifier un suspect probable avec cette information. Finalement, l'affaire est devenue un cold case. Ce n'est que des décennies plus tard que les enquêteurs ont décidé d'utiliser la technologie émergente de l'ADN pour déterminer l'origine génétique du tueur. La prochaine grande étape de l'affaire a eu lieu en 2017 lorsque les enquêteurs ont contacté une société de technologie ADN. En utilisant l'ADN trouvé sur les lieux, ils ont pu créer une image du tueur à différentes étapes de sa vie, notamment à l'âge de 25, 45 et 55 ans. Les images ont été rendues publiques dans l'espoir que quelqu'un se manifeste après avoir reconnu les visages. En fin de compte, le laboratoire a été en mesure de faire beaucoup plus pour l'affaire que quiconque ne l'aurait cru possible. En 2018, il disposait de la technologie nécessaire pour enfin résoudre le cold case de 25 ans du meurtre de Christy Mirac. Dans cette affaire, le tueur avait laissé son ADN sur la scène de crime. Cet ADN a été traité et téléchargé pour effectuer une recherche dans la base des données CODIS du FBI, mais il n'y avait aucune correspondance dans le système à l'époque. Pendant plus d'une décennie, les gens utilisaient des sites web de généalogie disponibles dans le commerce pour prélever un échantillon de leur propre ADN avec un écouvillon de joues, le télécharger sur le site pour trouver des parents perdus et l'utiliser pour retracer leur arbre généalogique. Ce n'est qu'en 2018 que les forces de l'ordre ont décidé de prélever l'ADN de la scène de crime et de le télécharger dans les mêmes bases de données pour voir s'il y avait des proches du suspect qui avaient laissé leur ADN sur les lieux. L'espoir était qu'en identifiant un parent, cela conduirait finalement à l'identification du suspect qui a commis le crime. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans l'affaire de Christy Mirac. En effet, l'ADN a été téléchargé sur des sites web disponibles dans le commerce et nous avons eu la chance que l'ADN corresponde à un parent très proche qui se trouvait dans la base de données. Dans ce cas-là, il s'agissait de la sœur de l'accusé.
À partir de ce moment-là, les chercheurs en généalogie ont commencé à établir l'arbre généalogique et ils ont rapidement pu retrouver qu'il n'y avait qu'un seul homme dans la famille qui aurait pu commettre ce crime. Le tueur présumé a été identifié comme étant un DJ local populaire, Raymond Rowe. Rowe, qui travaillait souvent sous le nom de DJ Freeze, n'avait aucun lien connu avec Christie, mais qu'il avait travaillé au moment du meurtre en tant que DJ dans plusieurs clubs populaires. Le public a été immédiatement choqué car le DJ bien connu était un incontournable de la communauté. Rowe avait tout organisé, des bals, des mariages, et pendant un certain temps, il était le DJ de la maison populaire, le Shamlon Club. Tout le monde connaissait son nom. Né en 1968, Rowe a grandi en tant que breakdancer et DJ house à Lancaster, fréquentant le lycée McCassey, mais sans avoir obtenu de diplôme. Au fil des années, il aurait eu 4 épouses et a déménagé entre le Chili et Lancaster. Il était propriétaire d'un magasin de détail et a fondé une école de DJ et ironiquement a même organisé un rassemblement anti-violence à Lancaster Square. En dehors de ses activités de DJ, les policiers ont découvert que le travail de jour de Rowe était également proche de l'appartement de Christie, ce qui a amené l'officier de police à croire qu'il est possible que Rowe passe fréquemment devant son immeuble. Je pense que c'était ciblé, je pense qu'elle l'avait rencontré lors d'un événement auparavant et je suppose qu'elle l'avait rejeté. Il l'a vu là-bas dans cet appartement à un moment donné, avait déclaré le policier au sujet du mobile possible. La police a rapidement rassemblé plus de preuves dans leur cas contre Raymond Rowe, y compris une contravention pour excès de vitesse en 1991, montrant qu'il conduisait une Toyota blanche, une voiture similaire à ce que les témoins ont rapporté avoir vu le jour du meurtre de Christie. Les enquêteurs ont confirmé que l'ADN de Rowe correspondait aux preuves laissées sur les lieux du crime. Il a plaidé coupable du viol et du meurtre en 2019, mais a tenté de retirer son plaidoyer en 2021. Pour toute la police de l'État de Pennsylvanie, cette arrestation a été un soulagement car ils avaient travaillé sur cette affaire dans une certaine mesure pendant plus de 15 ans.